Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Consulting. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un fichier Sage Immobilisation Linson version 15. Pour ce faire, je clique sur l'icône du logiciel. Voilà. C'est comme on l'a fait déjà pour Sage Comptabilité, Sage Commercial. C'est le même procédé, c'est la même méthode, c'est la même chose. Donc, je clique sur Fichier, choisis Nouveau. Voilà. Ici, il me demande, parce que normalement, Sage sans immobilisation, il sera lié à un fichier Sage comptabilité sans. Ici, il me demande, est-ce qu'il y a un fichier comptable déjà existant que je dois l'ouvrir pour qu'il soit lié avec Sage immobilisation, ou bien je crée un nouveau fichier comptable. Donc, je vous ai déjà montré comment faire. Vous pouvez vous référer aux anciennes vidéos concernant la création des fichiers, soit pour fichier comptabilité, soit pour fichier Sage commercial. Donc, je vais lui dire comme quoi j'ai déjà un fichier comptable qui est installé. Donc, je le choisis. Je clique sur Suivant. Et il me demande de parcourir le fichier afin de le lier avec Sage Immobilisation. Je clique sur Parcourir. Je l'ai sur Bureau. Je vais le chercher. Voilà, c'est Smart Deals, si vous vous rappelez. Donc, Smart Deals. Et je clique sur Suivant. Et il va reprendre toutes les informations qui étaient dans, bien, qui sont dans le fichier comptable, Sage Comptabilité, Smart Deals Comptabilité. Donc, voilà, je téléphone, l'adresse, le nom, la raison, etc. Donc, je clique sur Suivant. Et il me demande d'indiquer l'emplacement dans lequel je vais sauvegarder et enregistrer le fichier immobilisation que je viens de créer. Donc, je clique sur Parcourir et je choisis, moi, je vais choisir juste pour la démonstration du bureau. Mais attention, dans le nom du fichier, vous avez une astérix.imo. IMO, c'est l'extension du fichier immobilisation. Il ne faut pas l'effacer, il faut juste à la place de l'étoile ou bien l'astérix, vous allez écrire par exemple le nom de la société, donc Smart Deals, et je garde point émo et j'enregistre. Mets fin. Et voilà. Donc, j'ai toutes les informations ici. Donc, si je cherche dans Options, je vais trouver que il est lié avec Sage Comptabilité. Donc, je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo comment on lit les fichiers. Option par exemple, on va regarder mot de règlement, c'est déjà pris donc je vais rien paramétrer en ce qui concerne le mot de règlement, c'est déjà pris et transféré directement de Sage Comptabilité Smart Deals vers Smart Deals Immobilisation. C'est ça le rôle et le bienfait de lier deux fichiers ou trois fichiers entre eux pour se changer, se transférer directement les informations sans les ressaisir encore une autre fois. Voilà, mes chers amis, c'est comme ça qu'on crée un fichier immobilisation. La prochaine fois, je vais vous poster une vidéo sur comment on va paramétrer la famille, bien les familles d'immobilisation, les immobilisations et aussi les natures des biens, immobilisation, nature de biens, nature de compte, etc., nature fiscale. Tout ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite très belle journée. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour recevoir en temps réel toutes les vidéos que je poste. Donc, d'ici là, je vous souhaite très belle journée et je vous dis, mes amis, à la prochaine.